Bien, bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire du groupe du travail Expérience Voyageur. Je suis Tristan, j'ai la chance d'accompagner le cycle qui va vous présenter en trois étapes. L'expérience voyageur, l'expérience client. Alors, j'ai eu la chance aussi d'évoluer dans ce monde de la relation client depuis près de 20 ans. C'est dans ce contexte que Fabio m'a donné l'opportunité de piloter ce groupe de réflexion. Nous allons vous présenter donc en trois parties et aujourd'hui nous allons plus particulièrement accompagner la partie avant le voyage. D'ici quelques jours, on parlera de pendant le voyage et puis ensuite découlera après le voyage qui définira l'ensemble du parcours client, du parcours voyageur. Pourquoi on parle d'expérience voyageur? Tout simplement parce que il y a une particularité dans le marché du tourisme et en particulier le marché du voyage, c'est qu'il y a une dimension sociale, sociétale, sociologique, et c'est cette dimension que nous avons souhaité par le biais de Carole qui a souhaité, qui a accepté plutôt de m'accompagner aujourd'hui pour animer le débat qui sera en deux parties. Et donc, sur la partie avant, on avait le choix de partir plus sur une dimension très marketing, qui est celle qu'on voit très régulièrement dans le monde du parcours client, en tout cas de l'expérience client. Et pour mettre en avant les particularités du monde du marché du voyage, nous avons souhaité mettre plus le point et échanger ensemble sur les motivations humaines, les motivations personnelles et son évolution dans le marché du voyage. Alors, je laisse Carole se présenter, présenter toute l'équipe qui a énormément travaillé pour nous partager cette partie de réflexion. Oui, bonjour. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'animer ce premier webinaire d'une longue série, donc sur l'expérience voyageur. Comme l'a dit Tristan, donc je ne suis pas toute seule. Il y a aussi donc avec moi Alexandre Alary, Corinne Penaranda et Danielly David. On va vous présenter donc le cœur de nos réflexions sur l'expérience voyageur donc avant le départ. Déjà, moi, je suis particulièrement passionnée par tout ce qui touche à l'innovation collective, à la transition dans le tourisme et pour les territoires. Et c'est en ce sens que j'ai rejoint l'association Respire en août dernier pour partager à des réflexions de fond, mais aussi collectives surtout et partagées par l'ensemble de la profession. Pourquoi donc cette thématique de l'avant et plus particulièrement pourquoi avoir choisi l'axe sociologique, comme l'a dit Tristan? C'est que nous avons décidé de nous concentrer sur les envies du voyage pour mieux les définir et pouvoir réellement apporter une vraie valeur aux voyageurs. La crise aujourd'hui, elle questionne vraiment le tourisme dans sa raison d'être. Et si l'envie de repartir voyager est bien présente et toujours là, ben les freins sont là également. Il y a encore cette peur du virus, des frontières fermées, des vaccins qui ont encore du mal à se mettre en place. Donc, bien sûr, il va falloir réassurer le voyageur, mais avant tout, l'idée là, c'est d'avoir un discours positif et de s'appuyer sur ses motivations pour pouvoir vraiment l'embarquer avec nous. Alors, le groupe a mis en avant trois évolutions majeures dans les motivations au voyage. La première, nous allons vous parler de l'envie du voyageur de plus de liens sociaux. Alors, du coup, Alexandre, pourquoi cette envie, qu'entendons-nous par lien social? Bonjour à tous déjà. Alors, lien social. En fait, moi, je pense que c'est voilà, de par ce qui se passe en ce moment et depuis la dernière, il y a une forte envie de se retrouver en famille, entre amis, je pense. Ce que le confinement n'a pas rendu possible, de partager des émotions en toute sécurité. C'est vrai que le voyage a toujours créé des liens de par la création d'expériences. Et le partage avec ceux que l'on aime ou on apprécie, c'est une notion encore plus accentuée depuis le Covid.
Après, je pense aussi qu'il y a les jeunes hein, qui au niveau psychologique sont c'est un petit peu compliqué. Les grands-parents ont envie de revoir leurs petits-enfants et comme j'aime toujours dire, comme on dit, ensemble on est toujours plus fort. Je pense aussi que le mix immersion interne, c'est-à-dire famille, amis et externe, rencontre des locaux, prendre le temps de profiter, revenir à l'essentiel, c'est quelque chose de très important. Aussi le fait de, au jour d'aujourd'hui, de montrer à ce soit ses enfants ou aux petits-enfants, à ses petits-enfants, l'authenticité de la nature, l'immersion avec les locaux, voilà, toutes ces choses-là qui sont vraiment intéressantes. La recherche de bien-être et de convivialité est fondamentale, je vais y arriver. Je pense que ça fait partie de l'être humain, enfin ça l'a toujours été, même si depuis plusieurs années, on l'a un petit peu perdu. En ajoutant du superflu, toujours plus vite. C'est vrai que la situation a changé et je pense qu'on revient à la base, c'est-à-dire qu'on revient sur une notion où le banal redevient exceptionnel. Justement, par rapport à cette notion de banal qui devient exceptionnel, on a voulu citer l'exemple qu'on a vu à la télévision récemment aux informations de ces Parisiens en mal de soleil, en mal de voyage et en mal d'échange, justement, sur une terrasse à Madrid, en plein soleil, sans masque, avec un verre de vin, les tapas. Mais ils étaient les plus heureux du monde. C'était vraiment, ils ne demandaient rien d'autre, d'être là, tranquille, en train de boire un verre sur une terrasse. Voilà. Vraiment, le retour à l'essentiel et au simple. Au simple, c'est ça maintenant, la nouvelle façon de voyager. Oui, merci Corinne. Et du coup, cette convivialité qu'on voit dans ces retrouvailles en terrasse, montre aussi un désir fort de liberté. Et c'est bien là notre deuxième constat sur l'évolution des motivations au voyage. La crise a fortement mis à mal nos libertés. Et du coup, le voyage, qui est traditionnellement associé à l'évasion et à un espace d'absence de contraintes, et donc réellement de vraie liberté, prend alors tout son sens. Mais du coup, qu'est-ce que cela signifie en termes d'envie de revoyager? On est vraiment dans le cœur du problème par rapport à l'enfermement qu'on a vécu depuis plus d'un an maintenant. Ce confinement a vraiment créé de nouvelles envies, l'envie de voyage, mais surtout l'envie de liberté à travers le voyage. Donc, par rapport à comment on avait envie de voyager avant, c'est-à-dire qu'avant, oui, on se retrouvait sur des plages en all-inclusive, à l'autre bout du monde. Bon, ça, c'est plus cela qu'on va rechercher. Maintenant, tout ce qui va être le bruit, le stress, la ville, la pollution, c'est fini tout ça. Les personnes, elles veulent quoi? Elles veulent la nature, elles veulent le calme, elles veulent se retrouver, être par exemple dans des endroits où elles se sentent uniques. Elles se sentent uniques et presque seules au monde. On a envie de se retrouver seules, ensemble. C'est un peu paradoxal, hein, mais c'est-à-dire se retrouver les vrais rapports, le vrai rapport à la nature, le vrai rapport à soi. Et on va rencontrer un peu de monde, mais le monde qu'on va rencontrer, ce sont les locaux qui vont nous apprendre des choses, qui vont, voilà, ce partage-là, c'est vraiment. Donc, retour à l'écologie aussi, retour à voyager au bon moment, au même titre quand on se nourrit de légumes, de fruits, au bon moment, c'est la bonne saison, on va le faire aussi pour les voyages. Et on va changer la façon de percevoir le voyage, en prenant plus de temps. On parlera plus tard de ce qu'on appelle les mobilités douces, la flexibilité, mais ça sera dans le prochain point. Je te laisse évoquer. Oui, bien sûr. Donc, du coup, on est sur un voyageur qui se veut beaucoup plus libre, plus autonome. Corinne nous l'a montré, hein, sur place, dans ses rapports aux pays visités, aux gens visités, en recherche d'émotions aussi. Mais du coup, on se dit que cette recherche d'autonomie, elle commence avant le voyage. Elle commence dès l'étape de la préparation au voyage. Donc, qu'est-ce que cela implique en termes de préparation au voyage? Alors,
Carole, moi je pense que sur le voyageur, il est acteur de son voyage. Il l'était avant, mais il va l'être encore plus. Je pense que le digital et sera incontournable là-dessus aussi, parce que c'est grâce à ça que les voyageurs vont pouvoir via les blogs encore plus, et les influenceurs, les forums, etc., tout ce microcosme en fait pour les aider à co-construire leur voyage. Je pense que ce soit sur, alors je peux citer les plus connus, mais c'est vrai que ce soit YouTube avec ses vlogs, des vidéos blogs, Instagram et ses photos inspirationnelles, Facebook et ses groupes où il y a un échange d'expériences de voyageurs, permet vraiment de co-créer ce voyage. Et le digital aussi aide aussi à créer le lien entre les locaux et les voyageurs dans sa préparation. Je pense que le digital est grâce ou malheureusement à cause aussi du confinement, s'est beaucoup développé partout dans les familles, que les personnes qui s'intéressaient pas du tout à ça, ben s'intéressent de plus en plus et se disent que ça peut être vraiment une aide précieuse. Moi je dirais que c'est vraiment le digital est co-créateur avec le voyageur. D'accord, donc du coup on a un voyageur qui est en recherche de liberté pendant son voyage, dans sa préparation, qui a accès à beaucoup d'informations via Internet. Mais dans cette période d'insécurité sanitaire, comment fait-il du coup pour concilier cette envie de liberté et son besoin de sécurité naissant, qui est également de plus en plus fort? Alors effectivement, on le voit bien, il y a une nouvelle notion de voyager qui prend sa forme. Mais il faut savoir que cette envie de voyager, ce voyageur a besoin de cette réassurance. Il veut partir effectivement, mais il veut avoir cette garantie d'être assuré si quelque chose se passe sur place, s'il aura cette possibilité d'être rapatrié. Et là, là intervient l'agent de voyage, un des rôles essentiels de l'agence de voyage, qui est cette garantie professionnelle, cette assurance qu'il peut apporter à ce voyageur. Donc il y a un lien humain qui se crée et un lien qui réassure ce voyageur. Et on a vu aussi qu'il avait besoin de cette autonomie, comme l'annonçait Alexandre, qui crée lui-même ses voyages grâce à ses influenceurs sur le net, des choses comme ça. Mais l'agence de voyage peut encore de nouveau intervenir lorsque cette envie de voyage lui arrive selon ses disponibilités à la dernière minute. Donc il aura besoin de cette expertise, de cette gestion de dernière minute grâce à l'agence de voyage qui apportera cette expertise et ses contacts et ses garanties d'agence qu'il aura avec ses professionnels, qui pourra directement faire une réservation de dernière minute grâce à ces garanties que lui apportera l'agence. Il y aura un accompagnement, il y aura une co-création de voyage, un lien qui sera fait. Et effectivement, pour être aussi interactif, aussi disponible, aussi d'être pertinent dans un temps T, à une grande vitesse, il est évident que l'agent de voyage devra se munir d'outils technologiques. Donc là, on se rend compte que le physique, l'humain, a une valeur, mais quelque part aussi, tous ces outils technologiques qui arrivent, qui sont là, deviendront complémentaires, l'un et l'autre seront liés, quoi. Nous arrivons à ce que nous appelons ce terme marketing du figital. Voilà. Merci Dani. Du coup, on l'a vu, le premier constat, c'était une envie de plus de liens sociaux, plus de partage, plus d'émotions en famille, en petits groupes, mais aussi avec les locaux. Le deuxième, c'était une envie de plus de liberté. Plus de liberté dans sa façon de voyager, dans sa façon de rencontrer l'autre et les paysages visités, mais aussi dans sa préparation. Et le troisième constat qu'on veut faire, c'est une envie de plus de sens et une envie d'enrichir sa vie. On assiste aujourd'hui à une redéfinition du voyage, une sorte de retour aux sources. Le visiteur veut redevenir voyageur. Il veut découvrir, bien sûr, dans le respect et donner du sens à son voyage. On est donc plus dans un tourisme qu'on peut appeler le tourisme du why plutôt que du what. Ce besoin d'aller à la rencontre d'un patrimoine immatériel, naturel, culturel,
plutôt que de réaliser ou de faire simplement des choses pendant son voyage. Donc la crise renvoie finalement le voyageur à qui il est vraiment. L'envie de voyager va être motivée par l'envie d'apprendre, de découvrir, mais aussi se découvrir, se réaliser. Du coup, comment peut-on résumer quelles vont être les conséquences pour le voyage ? Le voyageur, il aura envie donc de voyager à travers son quotidien et remettre en fait le quotidien dans son voyage. Ça va être un temps de loisir, certes, mais où il y a son style de vie qui va se confondre. Et c'est là qu'apparaissent les nouvelles notions. On avait fait un webinaire sur cette notion de bléger, justement, pour ceux qui suivent Respire depuis un moment. Donc, on va voir si vous nous avez suivis. Le bléger, je vous le dis, vous devez connaître ce terme. Donc, en fait, lier le business avec le loisir. Voilà. La nouvelle notion de slow tourisme. La recherche d'expériences de proximité avec des micro-aventures, avec l'essor des itinérances. Et voilà, ça va être tout ça, cette conséquence, la nouvelle façon de voyager. Et on le développera dans le après. Voilà. Merci Corinne. Du coup, le voyage est plutôt assimilé là, dans ce cas précis à un développement personnel. C'est un peu le droit de chacun hein, à évoluer, à grandir. Mais du coup, ce retour aux sources du tourisme, qu'est-ce qu'il va impliquer pour les professionnels du voyage ? Effectivement, ce retour aux sources, c'est une prise de conscience. Donc, il y a toute cette transition. Là, les professionnels ont une remise en cause à se faire, peut-être penser au tourisme durable, peut-être des choses comme des labellisations, comme ATR, ATD. Peut-être un rôle de conseil, de pédagogie auprès des voyageurs. Il y a toute une nouvelle façon de représenter le voyage auprès des voyageurs. Oui, donc le voyage va être motivé plus par une envie de créer un impact positif sur les endroits visités. Finalement, ce qui était plutôt un point de différenciation de certains acteurs du tourisme va devenir une sorte de normalité. Hein. Le tourisme durable, doit être durable, il ne doit plus y avoir que des niches. Et puis, les acteurs du tourisme sont aussi invités à s'engager dans des politiques de RSE, de déclarer leur mission environnementale, sociétale, et surtout de le prouver par des actes plus qu'une simple communication. Du coup, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que en termes de motivation, les raisons de voyager, on est quand même un changement de société en ce moment, qui fait que les raisons évoluent un peu, les clientèles aussi. On revient un peu aux sources des origines du tourisme, hein, puisque les premiers voyageurs, ce sont finalement cette jeune aristocratie d'Europe au XVIe siècle qui partait pour s'épanouir, grandir, apprendre la vie. Et donc apprendre le lien aux autres, plus de liens, apprendre l'autonomie, plus de liberté, et puis donner du sens à sa vie. Et donc, si on revient à la problématique de départ, notre question, c'était « voyagerons-nous demain ?» Finalement, notre réponse est définitivement oui, nous voyagerons demain. Mais du coup, quelle sera la raison d'être du voyage ? Eh bien, plus en effet de liberté, plus de liens, plus de bonheur simple, on l'a dit aussi, plus de sens, plus d'impact positif. Donc, voyager mieux, ce sera peut-être voyager moins loin, plus longtemps, en tout cas de façon plus consciente, avec des liens forts, avec les gens qui nous accompagnent et les gens que l'on visite. Et finalement, j'ai envie de dire peut-être que ce sera changer de regard, voir le beau dans l'inconnu, revenir finalement vraiment à la raison d'être du tourisme. Merci beaucoup Carole, merci Alexandre, Corinne, Dany pour le partage de votre expérience, le partage de votre passion qui vous anime au quotidien auprès des voyageurs. Comme on le voit,
ce marché est pas banal. Notre marché est pas banal, notre quotidien est compliqué, il l'était bien avant le Covid, et c'est aussi pour cette raison qu'on a souhaité, dans l'expérience de voyage, l'expérience voyageur, l'expérience client, le traiter d'une approche différente, parce qu'il y a, moi qui suis et qui viens du monde du marketing client, une particularité qui le rend propre. Hein. On parle de donner du sens, mais c'est un sujet qui existe dans beaucoup de marques en termes d'accompagnement de relations clients. On parle de remise en cause, et je crois que c'est un sujet d'actualité et qui existait et qui existe dans beaucoup de marques, mais qui prend une consonance bien particulière. Quand on parle de pleasure, il y a aussi une particularité, et on le voit bien dans nos métiers quand on accompagne ce type de clientèle, car plus de 60% du temps d'un collaborateur qui est en déplacement est du temps personnel, et donc il faut aussi comprendre dans une politique de responsabilité sociale des entreprises qu'il y a un accompagnement, une responsabilité différente, et voir comment accompagner cette logique. Alors on va essayer maintenant de prendre encore plus de hauteur, et nous accueillons Armelle et Isabelle, qui, par l'accompagnement de Carole, vont continuer ce voyage de l'avant, de l'envie et de la réflexion sur le déclic qui fait que l'être humain a besoin de parcourir le monde. Bonjour Armelle, bonjour Isabelle. Armelle, donc vous êtes présidente de Switch, donc une agence spécialisée dans la prospective. Et les stratégies de marque pour le tourisme et le sport. Isabelle Fauchot, vous êtes maître de conférence à l'université donc Savoie-Mont-Blanc, spécialisée dans le marketing touristique et plus particulièrement dans le marketing expérientiel. Vous êtes auteur, vous avez publié et fait également de nombreuses conférences sur le sujet. Déjà, est-ce que vous avez ce que vous voulez vous présenter un petit peu plus, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur vous avant de commencer dans le vif des questions? Donc, j'ai une spécialité qui est comportement du consommateur, qui est un des classiques du marketing, mais j'ai dédié toute ma carrière à l'étude du tourisme, ayant fait ma formation et ayant vécu pendant 10 ans dans des pays anglo-saxons où c'était beaucoup plus développé. Et du coup, c'est vrai que je suis revenue en France dans les années 2000 avec une ouverture que le monde anglo-saxon m'a apportée, qui je trouve très intéressante, qui est multidisciplinaire. C'est-à-dire que, donc on travaille certes sous le coupon du tourisme, oui, je suis en marketing, mais en fait, il y a énormément d'universitaires qui travaillent sur le tourisme. Hein, donc, il y a des géographes, il y a des sociologues, des psychologues. Donc, c'est vrai que quand on travaille sur ce sujet, on s'alimente énormément de ces travaux-là. Et voilà, je voulais simplement revenir sur cet aspect qui en même temps est parfois un peu envahissant parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, et en même temps qui est très riche et qui permet d'avoir des connaissances très approfondies. Donc du coup, à partir de là, moi j'ai travaillé beaucoup sur l'expérience depuis une vingtaine d'années, et puis plus spécifiquement sur la montagne parce que j'ai pris mon poste à l'université de Savoie, donc par la force des choses, j'ai travaillé sur la montagne, mais j'ai aussi travaillé sur le rural, j'ai aussi travaillé sur le patrimoine. Donc c'est vrai que je trouve que, et là récemment, j'ai travaillé sur les refuges, et c'est vrai que chaque expérience d'un projet de recherche m'a apporté aussi beaucoup plus de contenu pour venir alimenter ma réflexion sur l'expérience. Voilà, c'était peut-être pour remettre un peu les choses. Puis peut-être finir sur un dernier point, c'est que je suis universitaire, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à faire de la recherche et je ne comprends pas la finalité terrain de ce que je fais. Donc, j'ai toujours deux volets, c'est-à-dire que je vais certes publier dans des revues un peu obscures et jargonneuses, mais je vais aussi faire beaucoup de conférences grand public parce que je trouve que c'est important pour un chercheur de toujours aller jusqu'au bout des implications de ses travaux et puis de rencontrer des acteurs et du grand public parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse. Voilà. Merci Isabelle. Armelle, du coup, vous voulez rajouter? Bah, du coup, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, moi, je fais le chemin inverse d'Isabelle. En fait, je suis d'abord une touriste, puisque j'aurais dû être avocate en droit des affaires. Et en fait, j'ai fait un premier tour du monde des stations de montagne. Donc, j'en ai visité 280 dans 27 pays sur 5 continents pendant 2 ans. Et puis, j'ai lancé mon activité Switch. Et en 2016, j'ai fait un deuxième tour du monde, qui cette fois était des destinations balnéaires. Et j'en ai visité 100. Dans 14 pays sur 4 continents. Et à chaque fois, ça a fait l'objet d'un sujet d'étude d'abord empirique et j'espère un jour qu'il pourra devenir théorique dans le cadre d'un travail doctoral.
Super, merci. Du coup, toutes les deux, selon vous, en utilisant toute votre expertise, pourquoi voyager aujourd'hui et pourquoi voyager demain? Quel est l'impact, en fait, de la crise sur les désirs de voyage? Non, parce que tout à l'heure, dans la présentation, vous parliez de retour aux sources. Moi, je ne crois pas qu'il soit vraiment pertinent de parler de retour aux sources parce que, d'après les études que j'ai faites sur ces derniers mois, en fait, les motivations fondamentales du voyage, elles n'ont pas changé. C'est les mêmes qu'avant, c'est le besoin de comprendre le monde dans lequel on vit, c'est le besoin, bien entendu, de rupture avec le quotidien et de se confronter à d'autres cultures, à d'autres pratiques, à d'autres modes de pensée. C'est aussi le besoin de se challenger. Ça peut être un challenge physique, ça peut être un challenge émotionnel ou technique ou intellectuel. Et ces motivations profondes, eh bien, elles étaient là avant, elles étaient là depuis le XVIe siècle finalement, et elles sont encore là maintenant. Ce qui est par contre accentué, c'est le besoin de partager. Alors, on l'a vu depuis une vingtaine d'années au travers des réseaux, enfin une quinzaine d'années au travers des réseaux sociaux, évidemment. Mais le partage, il va au-delà de la valorisation de son activité sociale. Il est aussi dans le partage avec ses proches pendant le voyage, avant même aussi, et après le voyage. Donc ça, c'était déjà là, et je pense que ça s'accélère encore plus avec cette crise qui pourrait laisser à penser qu'elle nous éloigne, et en fait, elle nous rapproche. Ouais, c'est intéressant, en effet. Plus de liens sociaux, plus de partage. Isabelle, du coup? Oui, alors je vais peut-être reprendre aussi certains éléments que vous avez déjà abordés, mais... c'est vrai, moi je suis entièrement d'accord avec Armelle qu'on est vraiment, on n'a pas changé les fondamentaux du voyage. Par contre, ce que la crise du Covid nous a quand même appris, c'est qu'elle a renforcé certaines tendances qu'on voyait déjà en fait. Hein, tout ce qui relève, là, on a parlé des contacts. On voyait aussi pointer au-delà des contacts, live like a local, tout ce besoin de zipper un peu les destinations et d'aller vraiment rencontrer les destinations telles qu'elles sont avec des acteurs du terrain, aller visiter, je sais pas moi, des remontées mécaniques, voilà, des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans, donc on avait déjà remarqué ça. Et puis ce qu'on avait aussi remarqué et qui s'est à mon avis fortement accentué, c'est cette notion de frugalité, de simplicité. Donc quand on parle de retour aux sources, moi je suis d'accord dans le sens où on retourne à une simplicité, mais elle est globale, elle se ressent dans notre vie quotidienne et on la retrouve dans le voyage. C'est-à-dire que le premier confinement, on s'est retrouvé face à tout ce qu'on a dans nos armoires et à réfléchir sur nos vies et à se rendre compte qu'on était un peu comme des hamsters dans une roue en permanence, ça a quand même poussé beaucoup de gens à re-questionner leur mode de vie. Et forcément, ça va avoir des conséquences sur la façon dont ils voyagent et dont ils considèrent leur voyage à l'avenir. Donc, cette notion simplicité, frugalité, ça me semble important. Et puis, on voyait déjà une appétence forte pour tout ce qui est tout ce qui relève des environnements naturels. Et c'est vrai que ça ne saura que se renforcer. Alors, il y a aussi l'effet du changement climatique qui fait qu'il y a une certaine urgence que l'on sent, hein. Mais voilà. Après, ce qui est peut-être juste intéressant, alors là, je parle peut-être plus pour la montagne, mais dans ce qu'on a observé dans la montagne cet été, c'est qu'on a eu un très gros afflux de clientèle. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet afflux de clientèle, alors cet été, ou si je reste sur la montagne cet hiver, des gens qui ont été faire de la raquette, du ski de fond, du ski de rando, des choses qu'ils n'avaient sans doute jamais faites, c'est qu'on a acquis des compétences et on a apprivoisé des nouveaux territoires, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de primo-visiteurs dans ces clients-là. Et l'apprentissage de pratiques et des codes pour entrer dans une nouvelle consommation, c'est l'élément le plus difficile. Donc, une fois qu'on a ça, on peut espérer que ce sont des consommations qui vont perdurer à l'avenir. Donc, je dis pas que les gens n'iront plus en Australie, loin de là. Les gens vont continuer à voyager, mais il y aura peut-être un équilibre qui va se faire où on aura peut-être un grand voyage dans l'année. Et puis maintenant, on aura compris que partir 2 semaines en itinérance dans le Jura, c'est aussi fantastique et c'est plein d'émotions et de découvertes. Voilà, donc c'est là où c'est intéressant aussi. Oui, c'est un peu comme, en effet, on est confronté à un changement de société et c'est le fameux consommer mieux mais moins qui vient se diffuser finalement dans le monde du voyage avec un voyager mieux mais moins. C'est moins ça. Étant moins loin ou moins souvent en fait. Mm.
Ouais, moi, je voudrais un tout petit peu nuancer sur le sujet de la liberté. En fait, quand on interroge vraiment en profondeur le consommateur, on se rend compte qu'il aspire à de la liberté, il aspire à du sauvage, il aspire à une nature vierge, un peu, mais pas trop longtemps quand même. Parce que si vous êtes seul sur une plage, l'idée d'être seul sur une plage est totalement romantique, mais si vous passez une journée ou deux jours tout seul sur la même plage, je peux vous garantir qu'il y a un paquet de gens, en fait, ça leur fait peur. Ou pareil en forêt, ou pareil en montagne. Donc, en fait, on veut bien être seul au monde, mais pas trop longtemps, et puis avec tout le confort de la civilisation, très rapidement à portée de main. Et notamment, on constate dans les pratiques, en montagne, qu'Isabelle connaît bien et moi aussi, où on a vu partir des gens cet hiver avec des équipements quand même très légers, où en sachant pas forcément bien s'en servir. Mais on voit aussi des gens partir en mer, hein, de la même manière, louer des bateaux l'été et puis s'en servir d'une manière tout à fait surprenante, ou ne pas s'en servir éventuellement, hein, faire ce qu'on appelle du flotton bouffon. Et du coup, voilà, c'est ça que je voudrais quand même rappeler, c'est que on reste des êtres humains et donc des êtres sociaux, et on veut avoir cette facilité de pouvoir appeler à l'aide ou au confort très rapidement. D'accord. C'est plus l'aventure du XVIe siècle où on partait en expédition avec tout ce que ça impliquait, et y compris le risque, donc le risque naturel ou le risque vital pour nous. Actuellement, ça reste encore choquant de se blesser, voire de mourir pendant ses vacances. C'est quelque chose qui n'est absolument pas admis dans l'esprit des gens. Et du coup, là, on peut dire peut-être que la crise a renforcé, encore a amplifié ce besoin de sécurité et d'avoir cette espèce de filet de pouvoir être en effet pris en charge en cas de difficulté, ou voilà, de pouvoir s'adapter aussi pendant son voyage. Peut-être que les professionnels ont besoin de donner l'opportunité aux voyageurs de pouvoir mieux s'adapter pendant qu'il réalise son voyage, en tout cas de lui donner des perches un petit peu. Oui, puis on voit aussi, si je peux me permettre, que l'évangélisation de l'ère Airbnb ou autre, qui est le transfert de cocon aussi, c'est de vouloir voyager en gardant son propre cocon, qui est en train de s'accélérer par la situation actuelle, hein, c'est de garder cette impression de sécurité quand on va ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un réflexe qu'on a aussi à titre personnel, hein. Moi, je reconnais que je suis beaucoup plus sensible à cette logique, encore plus quand je voyage en famille, que je l'étais auparavant. Non, tout à fait. Quand on projette des touristes dans des univers qui leur sont beaucoup trop étrangers, ça peut être une source de stress, en fait. Et moi, je reviens sur ce que Armel disait, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai que, mais même sur la montagne l'été, quand on regarde les études qui ont été faites, c'est-à-dire qu'on a des gens qui savent même pas réellement randonner, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir au client, et surtout aux compétences qu'il a ou qu'il n'a pas. Et souvent, il ne les a pas. Et c'est vrai que souvent, pour des prestataires locaux, ça paraît tellement évident, puisqu'ils ils vivent dans ces territoires, qu'ils n'y pensent même pas. Mais en fait, cette notion de transmettre des compétences, transmettre des codes, elle est devenue essentielle pour faire une passerelle entre ces générations. Armel parlait de confort. En fait, les générations de touristes qu'on a face à nous maintenant sont en grande majorité des urbains, à quasiment 2/3, et souvent des urbains de plusieurs générations. Donc, ils n'ont plus eu la maison de la grand-mère en campagne, où il y a tout un apprentissage qui s'est beaucoup moins fait. Et du coup, bah, tous ces codes-là, c'est une étape nécessaire pour pouvoir réengager et ouvrir les portes de nouveaux territoires ou nouvelles pratiques auprès de ces consommateurs. Et en plus, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le captage de nouvelles clientèles. Donc, ces nouvelles clientèles, forcément, elles sont plus novices et elles ont encore plus besoin. Enfin, si c'était déjà le cas avant, ce besoin d'apprendre, de transmission, de compétences, il est encore plus fort finalement aujourd'hui. Moi, je parle souvent d'illusion de liberté et d'illusion d'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut donner l'impression à ces clientèles que très vite, elles acquièrent de l'autonomie dans la pratique, notamment la pratique sportive, l'apprentissage du ski ou l'apprentissage de la randonnée ou l'apprentissage du vélo. Il faut que ces techniques soient très vite acquises et qu'elles soient acquises de façon ludique pour pouvoir aller vers l'autonomie.
Et ce passage, il est hyper important pour les professionnels parce que c'est ce qui fait qu'on va fidéliser ou pas une clientèle sur ces types de pratiques. Et si l'apprentissage a été jugé ou en tout cas ressenti comme pénible, il y a de fortes chances qu'on ait un taux de conversion très faible, alors que si l'apprentissage a été vécu comme une expérience ludique, agréable, eh bien on augmente en tout cas les chances de conversion du client comme un client fidèle sur cette activité ou sur ce type de pratique dans le futur. Oui, parfait. Du coup, on a beaucoup parlé donc de voyager mieux. On le voit là, le voyager mieux, il n'est pas forcément identique pour toutes les clientèles. Donc on a différentes clientèles, donc différentes façons d'envisager le voyage. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu toutes les deux comment vous envisagez cette notion aujourd'hui de ultra-personnalisation, de sur-mesure? Qui cohabite finalement encore avec des formes de voyage plus standardisées. Est-ce que on avait eu cet échange à Armel, est-ce que il ne faudrait pas infuser plus de sur-mesure finalement dans toutes les strates du tourisme et toutes les formes de tourisme qui sont proposées aujourd'hui? Oui, ben en fait ce qu'on s'était dit c'est que en fait ça fait 13 ans que je suis dans cette industrie, donc ça fait 13 ans que j'entends parler de personnalisation de l'expérience touristique. Et en fait, quand j'entends ce terme, ce que j'entends en substance, c'est on a une offre qui est calibrée et puis on va faire quelques adaptations, quelques customisations du produit ou du service pour que ça corresponde un peu plus, ou en tout cas le plus possible, aux attentes ou aux besoins du client. Et je crois qu'on a basculé depuis quelques années maintenant, je dirais depuis 2-3 ans, c'est antérieur à la pandémie, on a basculé dans la notion d'individualisation de l'expérience client. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'adapter une expérience, mais il s'agit de créer de toutes pièces. Et tout à l'heure, vous avez utilisé le terme co-création avec le client. Donc, il s'agit vraiment de créer de toutes pièces l'expérience et pas juste de l'adapter. Donc, je crois que ça, c'est vraiment... ce vers quoi on se dirige, ce que ça amène, c'est que c'est juste génial pour le client, c'est fantastique aussi pour le professionnel de co-créer, parce que c'est très intéressant intellectuellement. Le problème, c'est que si vous multipliez ça par le nombre de voyageurs dans le monde, eh bien, vous voyez qu'il y a un petit problème de réalisation technique assez vite qui s'impose à vous. Et il y a aussi une question de rentabilité qui s'impose à vous. Et je crois que c'est là qu'il va falloir trouver un nouveau business model pour à la fois être capable d'hyper-personnaliser, d'individualiser le plus possible l'expérience, tout en restant rentable, parce que les trois piliers du développement durable impliquent certes le social et l'environnemental, mais ça implique aussi une économie viable. Isabelle, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette question? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'Armel a dit. D'ailleurs, je suis ravie de l'entendre dire ça parce que moi, je suis exactement dans la même situation. L'ultra-personnalisation, j'en entends parler depuis tellement longtemps et ça me laisse assez perplexe. Et effectivement, on peut personnaliser, mais effectivement, ça remet en cause les modèles que l'on a. C'est-à-dire que massifier et personnaliser, voilà, ça va, c'est quand même assez antinomique. Mais je voulais peut-être, donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que Armel a tout dit et très bien dit. Peut-être rappeler aussi que on peut aussi personnaliser, mais peut-être pas toutes les vacances. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des snapshots où on a quelques expériences qui sont très personnalisées, qui sont en plus petits groupes, qui vont vraiment aller cultiver l'émotion. Parce que c'est vrai que quand on regarde les recherches qui sont faites sur la mémorabilité d'une expérience touristique, finalement, un touriste, une fois qu'il a vécu son voyage, qu'est-ce qu'il retient? Eh bien, il retient les pics, hein, ces fameux deux ou trois événements qui vont avoir lieu pendant les vacances et qui ont été générateurs d'émotions, de sens, et qui vraiment vont venir l'impacter. Et puis ce tourisme, ben derrière, ça va être une résonance sur les réseaux sociaux, il va en parler autour de lui, et puis on va potentiellement le fidéliser. Donc c'est vrai que peut-être qu'une réponse aussi, par exemple, pour des destinations, c'est d'arriver à concevoir quelques expériences clés qui vont être beaucoup plus proches des besoins des consommateurs et qui vont réussir à créer ces phénomènes d'expérience optimale dont on court tous après, parce que c'est le nerf de la guerre des vacances, en fait, hein. On peut avoir quelqu'un satisfait, mais
c'est différent de lui avoir fait vécu des expériences optimales. C'est complètement différent. La satisfaction, c'est « Ok, oui, je vais passer de bonnes vacances, mais l'année prochaine, ce touriste-là, je peux le retrouver ailleurs. Je ne l'ai pas fidélisé à ma marque ou à ma destination. » Par contre, si j'ai réussi à créer un attachement émotionnel, des expériences fortes, là, pour le coup, j'ai gagné la bataille, si je puis dire. J'ajouterais que les pics, ils sont pas toujours là où on croit. Oui, et c'est pas toujours les feux d'artifice ou une scénarisation maximale qui ferait que l'expérience vécue serait complètement dingue en soi. Et ça, quelque part, on reboucle avec ce sur quoi vous aviez commencé votre exposé, puisque c'est certains pics qui peuvent être provoqués juste par une bonne bouteille de vin ou une blague ou au contraire quelque chose de moins heureux, parce que ça fait aussi partie des vacances. Mais voilà, c'est pas toujours des choses sur lesquelles les destinations ou la main ou les agents de voyage et les organisateurs sur place peuvent avoir la main. Donc c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'il faut organiser ces pics sans nécessairement savoir où est-ce qu'ils vont réellement intervenir pour chacun. D'accord. On parle énormément de co-création et souvent on oublie ça rejoint ce que dit Armelle, hein, ce que nous on appelle l'auto-création aussi, c'est-à-dire qu'il y a une agence du consommateur, c'est-à-dire que le consommateur, en fait, par lui-même, il peut se les créer tout seul, ces pics, hein, et nous, effectivement, parfois on a des récits très très simples quand on interview les touristes d'une soirée où ils ont joué à trois générations, un jeu de tarot endiablé où le grand-père a pris le petit au bout, enfin, voilà, des choses qui sont, on va dire, totalement banal, hein, on n'est pas en haut du Kilimandjaro, et pourtant ça a été un des moments forts des vacances. Donc il y a, c'est vrai, quand on interroge les touristes, on repère comme ça des pics qui parfois sont réalisés complètement en autonomie au sein du groupe et qui parfois, et c'est là où ça devient aussi intéressant, peuvent être assistés, c'est-à-dire qu'une destination, elle va peut-être créer une aire de pique-nique à un endroit très beau, un peu protégé, du coup les gens vont s'y asseoir, vont rencontrer d'autres touristes, et on voit que de fil en aiguille, ça a créé, voilà, à nouveau une bulle d'expérience forte. Donc ça c'est assez intéressant d'étudier tout ce processus, je trouve, et toutes les possibilités de pics qu'il peut y avoir. Alors justement, c'est une bonne transition avec ma dernière question, qui était, que conseillez-vous à une entreprise du tourisme aujourd'hui pour mieux identifier les motivations de sa clientèle, ou de ses clientèles ? Puisque finalement, pour co-créer avec ses clients, il faut les connaître. Oui. Ouais, moi, je recommanderais deux choses. La première, c'est en fait, je pars du principe que le terrain ne ment jamais. Donc, c'est aller sur le terrain, pour ceux qui peuvent, c'est interroger le plus possible les clients et pas le faire uniquement sous la forme de questionnaires en ligne ou papier ou passer avec un enquêteur, questionnaire quantitatif, mais être sur du qualitatif. Et ça implique de se poser, de trouver des gens qui veulent bien le faire et de se poser avec eux et vraiment de les faire parler et de les écouter véritablement. C'est pas juste prendre des notes de ci, de là, mais écouter, y compris les plus petits signaux faibles, qui peuvent être en fait pas que des signaux faibles, mais des gros freins ou des gros irritants, et aller au-delà de la réponse polie que certains clients peuvent faire pour se débarrasser de vous et passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je ferais, hein, c'est interroger le plus possible mes clients sur qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, qu'est-ce qui a été difficile pour eux en amont et bien entendu pendant l'expérience. Et puis, la deuxième recommandation, notamment si vous n'avez pas le temps de le faire, eh bien en fait, il existe des centaines d'études en ligne qui sont disponibles, qui sont gratuites. La région Auvergne-Rhône-Alpes notamment en publie plein, la région Occitanie aussi, et bien d'autres. Le Welcome City Lab en propose aussi. Il y a des tas de sources disponibles qui sont très sérieuses. Tous les livres alors en design d'expérience, Brian Solis, Seth Godin, Guy Kawasaki, en français il y a Patricia Gallo-Lavallée, bien entendu Isabelle Frochot. Je pouvais pas passer à côté, mais lire finalement, voilà, c'est la solution pas chère et hyper efficace pour trouver des solutions pas cher et hyper efficace à mettre en œuvre pour son business.
Nous, on travaille beaucoup en tant que chercheurs sur les clientèles, je l'ai dit, de la montagne. Et en fait, au début, on a essayé de faire des focus group, on a essayé de faire des enquêtes et puis on n'était pas satisfait de nos résultats. Et un jour, on a tout jeté, on a pris des enregistreurs, nos guides d'entretien, on est monté en station, on a interrogé des gens sur le front de neige. Et on n'a jamais trouvé que nos données étaient aussi riches qu'à partir du moment où on a fait ça. Et je tiens à dire que est-ce que c'est important, on a un taux de réponse quand on procède ainsi de 90%. C'est-à-dire qu'on a une personne sur 10 qui refuse de répondre à l'enquête et on les tient souvent 20 à 30 minutes avec notre enregistreur. Alors, ils sont en vacances, ils sont détendus, on leur parle pas d'une machine à laver, donc c'est vrai que tout est fait pour que ça se passe bien, mais c'est d'une richesse inouïe. Et puis, il y a quelques années, on a testé une autre méthode, alors qui pour le coup est lourde à gérer, mais très intéressante, c'est de suivre des touristes tout le long de leur séjour et de les interviewer tous les soirs. Donc, les mêmes touristes. Donc là, on avait, je crois, 12 ou 14 groupes de touristes qu'on suivait tous les soirs. On était une batterie d'enquêteurs. Et alors là, on a explosé tous les compteurs parce que sur la journée même, les gens ont une mémoire très fraîche. Et ce dont parlait Armel, des signaux faibles, des plein de points de détails, on a réussi à attraper tout ça et à vraiment avoir une lecture du séjour, comment il se déroule et surtout quels sont les éléments impactants, positivement ou négativement. Et on a trouvé ça d'une richesse inouïe. Donc, moi, je fais du quanti, je fais aussi des grosses études, des modèles un peu complexes, bon, pour se faire plaisir aussi. Mais rien ne vaut pour moi le qualitatif. Donc, et puis peut-être pour répondre un tout petit peu plus sur, tu parlais des motivations tout à l'heure, ta question elle portait là-dessus. Il y a quand même des techniques de segmentation qui sont basées sur l'expérience elle-même. Et moi, je les trouve très très puissantes. C'est-à-dire que on oublie tout ce qui est socio-économique ou d'autres modèles qui existent. Vous segmentez vos clients à partir du type d'expérience qu'ils recherchent. Et ensuite, une fois que vous avez ces clusters, vous pouvez regarder qui ils sont, d'où ils viennent, quelles sont leurs personnalités, si ça vous dit. Mais partir de l'expérience, ça vous apporte un éclairage fondamental et très puissant pour la compréhension de vos clients et du coup derrière les services qu'on va mettre en place pour répondre aux besoins de chaque cluster. Donc il y a aussi des techniques qui sont pas très compliquées et très efficaces. Oui, il y a un petit bouquin sur le sujet de Seth Godin qui s'appelle We Are All Weird, donc on est tous bizarres. Justement sur cette segmentation affinitaire, c'est bourré d'humour, c'est très bien écrit, ah, et c'est une quarantaine de pages maximum, ça vaut vraiment. Ah ok. Génial. Il faudra le mettre en commentaire. Ouais. Merci à toutes les deux, c'est vraiment voilà, c'est super riche, fort de conseils et d'enseignements, donc. C'est passionnant. On pourrait rester des heures et des heures à échanger comme ça. Malheureusement, le temps nous est compté. Si je peux me permettre, Carole, un dernier petit point. En marketing client, on parle souvent de la période avant pour dire que les marketeurs doivent accompagner dire ce qu'on fait quand on est dans la période d'utilisation, on part du principe qu'on fait ce qu'on dit et la période après, et on a eu l'occasion avec vous de partager en fait l'ensemble du processus, mais c'est tout à fait normal qu'on le fasse en période avant l'acte de décision et avant de préparer l'acte d'utilisation du service. En général, a posteriori, on étudie la variable d'ajustement. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu asymétrie ou asymétrie des attentions? Et après, on doit se remettre en cause se remettre à l'ouvrage. Et merci beaucoup parce qu'on a pu, d'un point de vue du quotidien, avec le premier débat et avec vous, effectivement comprendre pour quelles raisons il y a vraiment une particularité dans le secteur du voyage de prendre un recul particulier, même en tant que marketeur. Voilà. Merci. Donc, j'espère que ça va évoquer plein de questionnements très rapidement pour pouvoir poursuivre un petit peu l'échange. Ouais. Je suis sûre que ça va évoquer plein de questionnements. D'ailleurs, nous attendons les questions de nos auditeurs, donc professionnels du tourisme, et nous vous proposons maintenant de répondre avec Armel et Isabelle à toutes vos questions. Rebonjour à tous.
En attendant les prochaines questions, je vais déjà faire une petite synthèse de tous les messages qui sont passés dans le chat, qui étaient très intéressants pendant l'enregistrement. Alors, la première chose qui a été mise en avant, c'est la nécessité de l'agent de voyage de devancer le client dans ses besoins, de proposer des outils et des propositions à la fois originales qui puissent aller dans le sens de contribuer à l'humain, à la planète, de garder la main en quelque sorte par rapport à la notion de co-création. Donc garder la main et inspirer le client. Donc d'avoir une découverte client, en fait, il y a eu beaucoup de questions sur la phase de découverte des besoins des clients. Donc d'avoir une découverte qui va au-delà d'une découverte basique, qui va provoquer l'étonnement, qui va aussi légitimer toute la valeur ajoutée de l'agent de voyage par rapport à l'utilisation à des recherches sur Internet ou des achats de packages tout inclus. Donc en gros, là, la question, j'ai le sentiment que c'est quels outils, comment les agents de voyage peuvent-ils répondre plus spécifiquement aux besoins de leurs clients, quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser pour aller plus loin dans leurs propositions et faire des propositions plus originales et plus en phase avec le client. Si vous avez des éléments de réponse à nous partager, Armelle et Isabelle. Alors, par contre, vous avez... Il faut que Carmel et Isabelle décochent leur micro. Voilà le micro. Je suis désolée pour le problème technique. Des outils. Alors, moi, je ne suis pas agent de voyage. Non, franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est trop loin de mon métier. Je suis désolée. Alors, moi, je ne peux pas non plus trop répondre sur les outils, mais peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé la dernière fois. Un travail que je fais avec les étudiants à l'Université Savoie-Mont-Blanc dans les cours de veille. Le tourisme, c'est par définition l'opposition au quotidien et on cherche vraiment à aller s'échapper complètement de notre quotidien. Et moi, j'ai jamais trouvé que la meilleure façon de repérer les tendances, c'était en fait d'aller s'immerger dans les journaux du quotidien. Aller regarder les titres qui sortent, les livres, les tendances, les articles qui paraissent dans des revues diverses et variées. Et c'est cette observation quotidienne du monde qui nous entoure, qui part en fait un peu un jeu de miroir inversé, permet d'anticiper et de voir venir les tendances. Donc, avec les étudiants, il y a quelques années, on avait travaillé notamment sur la tendance du digital. Enfin, il y a quelques années, je crois que c'était 1 ou 2 ans. Avec le musée du digital qui existe maintenant au Japon, beaucoup de jeux de lumière dans des prestations touristiques. Et là, je voyais que chez Sotheby's vient de se vendre la première œuvre digitale à un prix d'ailleurs exorbitant. Et c'est vrai que voilà, ça c'est typiquement des informations qui nous sont très utiles pour comprendre comment on peut capter des phénomènes de mode. Donc là, pour le coup, le digital, on va le prendre tel quel, puis on va le redévelopper dans le tourisme. Et puis, quelles sont les frustrations de nos clients, des citoyens dans le quotidien de leur vie, on va dire, et à partir de ces frustrations, dessiner et designer des produits touristiques qui, en fait, vont se mettre en opposition à ces frustrations. Voilà, avec l'énorme coup d'accélérateur qu'on vient de vivre avec le Covid, qui a d'un seul coup fait avancer grand V les tendances qu'on avait déjà observées. Donc, c'est une période très difficile, mais en même temps très intéressante à étudier du point de vue du comportement des touristes. Alors après, il y a un autre élément qui a été cité, c'est on veut convaincre finalement le consommateur, enfin le voyageur, l'emmener vers la nature, plus de reconnexion à la nature, de responsabilité. Mais finalement, celui qui pratique en fait ce genre de tourisme, il est déjà presque convaincu. Et quelqu'un fait remarquer que l'urgence, le plus important, c'est peut-être plus de convaincre les adeptes du club, les clubbers, du all inclusive, et de pouvoir eux aussi, parce que c'est du volume, les inciter à consommer mieux, donc à réinventer des pratiques aussi en termes de club.
ce qui est déjà le cas, hein, puisque les clubs vont déjà s'efforcer de reconnecter leur clientèle le plus possible aux locaux. Voilà, donc c'était peut-être plus une remarque, je ne sais pas si vous avez envie de commenter, mais en tout cas, c'était vraiment ressorti par plusieurs intervenants en disant que réinventer les pratiques, oui, mais il faut aussi réinventer les pratiques qui font le mass market du tourisme, parce que c'est là, quelque part, qu'on va réellement changer la donne. Ouais, moi je suis toujours choquée par ces approches. C'est comme si on essayait de forcer les gens à passer des vacances selon des critères de bonne morale, comme s'il fallait que les gens aillent en vacances en pleine nature parce que c'était ce qu'il fallait faire. Mais il y a des tas de gens, ils n'ont pas du tout envie de ça. Il y a des tas de gens qui veulent justement avoir des vacances ultra aseptisées avec aucune surprise, aucune spontanéité. Il faut que ce soit réglé comme du papier à musique et qu'il n'y ait pas de place à l'erreur. Et il ne faut jamais juger, je trouve, la manière dont les gens passent leurs vacances. Et moi, ça me choque profondément, cette façon de dire il faut, de façon très péremptoire, qu'on reconnecte à la nature, il faut de l'authenticité. Ça fait très flûte de consultant, et je suis consultante, donc venant de ma bouche, c'est particulièrement difficile. Une fois de plus, certaines personnes ont envie d'une forme d'authenticité, et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une certaines illusions de l'authenticité, et d'autres ont besoin d'un cadre qui est très aseptisé, et éventuellement que les personnes qui travaillent à ce cadre, donc les entreprises qui sont derrière ces fameux clubs de vacances, revoient leurs pratiques, les rendent peut-être avec une empreinte carbone ou une empreinte environnementale moins lourde, avec des pratiques sociales qui soient plus respectueuses de leurs collaborateurs, oui. Qu'ils en fassent éventuellement des arguments commerciaux, pourquoi pas, mais je trouve que juger les clients sur la manière dont ils passent leurs vacances, c'est quasiment insultant pour ces personnes-là, dont j'estime qu'on n'a pas à juger cette façon de vivre leurs vacances, ça leur appartient. Bonjour Armelle et Isabelle, merci beaucoup pour vos interventions. Je crois que tout le monde a noté dans les commentaires le fameux petit livre dont tu parlais tout à l'heure. Que je conseille aussi, que j'ai trouvé vraiment vraiment sympa. Ça nous met la tête face à un miroir, mais ouais, c'est très très sympa. Deux petites choses. Alors, je me permets, Carole, j'ai une petite question à vous poser à toutes les deux. La première chose, on évoquait les outils. Alors, on peut parler effectivement du parcours d'achat. Juste un petit point qui a déjà été notifié, mais que je repartage. Vous savez qu'actuellement, l'État français donne la possibilité de pouvoir investir dans son développement numérique. Soyez tous bien ouverts sur toutes les opportunités qui permettraient de pouvoir vous ouvrir, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par le biais de votre site Internet. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui viennent du monde du voyage et qui peuvent accompagner les réflexions de digitalisation. On en a parlé longtemps pendant la préparation de nos groupes de travaux autour de l'expérience client, l'expérience voyageur. Je vous invite aussi à regarder quelles sont les possibilités qui vous permettraient, sans d'avoir un gros budget, d'être accompagné. Et de vous poser les bonnes questions pour trouver des outils ou des accompagnements de digitalisation qui vous correspondent. Ma question est la suivante. On entend beaucoup parler de revenge travel. Est-ce que vous avez, j'imagine, vous avez dû croiser ça de votre côté. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, quelle est votre analyse sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, mais en même temps qui veut tout et rien dire. Oui, une définition rapide, ce serait de dire que, expliquer que les voyageurs ont été privés de voyage pendant maintenant quasiment 12 mois et que ils se lâcheraient une fois qu'on ouvrirait les vannes finalement pour voyager beaucoup partout tout le temps en consommant et en surconsommant. Alors on lit différentes littératures sur le sujet, mais c'est l'idée de rattraper le temps perdu surtout qui se cache derrière ça.
avec éventuellement pour certains des changements dans leurs pratiques dus à des prises de conscience sur l'empreinte, notamment environnementale et sociale, de leurs pratiques de voyage. Mais c'est surtout l'idée d'une hyperconsommation de voyage une fois les différents déconfinements terminés. Dans toutes les crises qu'on a connues dans le tourisme, hein, à travers les ans, à chaque fois qu'il y a une crise, on est très résilient, hein, dans l'industrie du tourisme. Quand on voit l'impact de la crise de 2008, c'est à peine un petit… on voit qu'il y a dans la courbe un petit accro, mais rien d'essentiel. Alors, bien sûr, le Covid est sans commune mesure, mais en général, après les crises, on a un énorme effet de rebond. On a toujours connu ça, et on aura forcément un effet de rebond là, sauf que en fonction des déconfinements, de la vaccination, etc., ça risque d'être peut-être plus progressif que dans les autres crises qu'on a connues. Et moi, je m'interroge quand même. Je me dis que oui, il y aura forcément des gens qui vont retourner au voyage et ils ont bien raison. Ce que je disais dans la vidéo qui avait été enregistrée, c'est qu'il est possible par contre qu'il y ait des choix qui se fassent. Par exemple, si on fait deux voyages dans l'année, ben on en garde un à l'étranger et peut-être que finalement on va quand même réinvestir un peu plus la proximité vu qu'on a commencé à y prendre goût. Moi, c'est une question que je laisse ouverte. Ça, c'est une chose. Par contre, moi, je m'interroge sur aussi des clientèles qu'on pourrait potentiellement perdre. C'est-à-dire des gens, moi je m'interroge en partie sur certaines clientèles du ski, je m'interroge sur les seniors, sur le fait que de ne pas être parti pendant un an ou deux, ou ne pas avoir pratiqué certaines activités pendant un an ou deux, ne va pas faire perdre, danser spécifiquement pour certaines catégories ou certaines pratiques, des clientèles. Voilà, c'est plus une question, bon voilà, pour laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, mais qui m'interpelle. Ouais, réponse l'hiver prochain, et je crois que c'est quelque chose qui n'est d'ailleurs pas du tout anticipé par les institutions. Je pense à Domaine Ski Alpes de France notamment, ou Cluster Montagne ou France Montagne, qui ne regardent absolument pas ça actuellement, parce que d'ailleurs le travail de conviction autour du ski alpin n'a pas été fait cet hiver. Oui, ça va être une vraie... Une vraie inquiétude. Je me permets de rebondir aussi sur le message de Maxime qui évoquait, alors je reprends sur le sujet de la nature, on peut aussi, alors sans anticiper les réflexions qu'on peut avoir et qu'on aura sur d'autres, sur nos prochains rendez-vous. Pour rebondir ce qu'évoquait Maxime, qui est de dire on n'est pas obligé d'être spécialement dans la nature pour se replonger dans l'authenticité. On peut aussi découvrir des populations locales. On peut aussi vivre des expériences assez sympas. Je me rappelle avec mon équipe, quand on accompagnait effectivement un couple de jeunes médecins se baladant à New York et donc ils réfléchissaient à un certain nombre d'actions à réaliser. Et en fait, on leur a permis de pouvoir rencontrer... Alors, malheureusement, c'est un site internet qui n'existe plus, mais qui permettait à l'époque, c'était Eat with Local, mais qui était beaucoup plus culturel. Aujourd'hui, elle est devenue un peu plus marketée et elle a plus la même notion que celle qu'elle avait d'origine. Et on leur avait donné la possibilité de déjeuner avec des médecins new-yorkais qui acceptaient de recevoir des amis, mais pas pour le business, c'est juste parce qu'il y avait une logique de réciprocité culturelle et donc on les avait mis en relation et je sais que c'était quelque chose qui les avait profondément bouleversés dans leur voyage, c'est-à-dire que c'est un élément qui est resté a posteriori, ce que nous a dit d'ailleurs notre partenaire agence, c'est que ce qui est bizarre, hein, l'équipe qui a accompagné ce couple, l'expérience qu'ils ont vécue de passer une soirée avec des Américains, comme si c'était des voisins, comme si c'était des amis, où ils ont partagé toute la soirée leur vie, en fait, a été un moment qui les a profondément marqués, visiblement. C'est assez rigolo. Ouais, on voit souvent... moi, je suis ancienne juriste et je travaille encore un peu avec quelques avocats et il y a beaucoup d'avocats qui disent, par exemple, aller dans les tribunaux à l'étranger, même s'ils ne comprennent pas du tout la langue,
mais ça leur permet de voir comment se passe un procès, comment se passe différentes étapes de procédure judiciaire. Et ce qui est toujours, moi j'appelle ça le tourisme industriel, même si dans le secteur juridique on peut pas vraiment parler d'industrie, mais il y a plein de gens qui sont vachement intéressés pour comprendre comment leur propre métier est exercé à l'étranger. Et d'ailleurs, il y a des agences qui ne font que ça, hein, qui proposent des expériences, vivre telle ou telle profession, mais à l'étranger. Alors, oui, je trouve que c'est une super initiative. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on échangeait, je pense que... et puis, je vais rebondir sur les expériences optimales dont j'ai déjà parlé, hein. Alors, on se rend compte, ça doit paraître être une évidence totale pour tous les agents de voyage qui nous écoutent là, mais en fait, le relatedness, comme disent les Anglais, tous les contacts sociaux, de plus en plus, on les identifie comme étant vraiment au cœur des expériences touristiques. Bon, hein, c'est pas un scoop, hein, bien sûr. Je pense qu'ils vont se renforcer avec le Covid. Je pense que peut-être on a peut-être pas compris l'onde de résonance que ces contacts-là et ces mises en relation pouvaient avoir. Et je pense que c'est là où les recherches en ce moment, elles sont en train de se plonger. C'est sur l'importance émotionnelle et à plein de niveaux de ces contacts avec des locaux, de ces contacts spontanés, authentiques, naturels, hein. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. Et en fait, ce qu'on voit dans les expériences optimales, on a un chercheur américain qui s'appelle O'Shaughnessy qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et en fait, lui, ce qu'il parle, cette transformation, il dit que c'est des expériences, et les expériences optimales, sont pas forcément sensationnelles. Armel en avait parlé, mais qui en fait nous font grandir et qui a vraiment cette impression que j'ai appris quelque chose ou je ressors différent de mon expérience, d'accord? Et je ressors différent peut-être parce que j'ai fait un saut à l'élastique, mais je peux aussi ressortir différent parce que je me suis assise à côté d'un berger et qu'il m'a parlé de sa vie pendant une heure. Voilà, donc on a un éventail qui est hyper large en tourisme, c'est d'ailleurs ça qui rend ce secteur si magique. Et les sources d'expérience optimale, en fait, de ces moments clés, ces moments forts, et ben en fait, elle est assez large, elles sont assez variées et c'est ce qui est particulièrement intéressant. Je suis à dernier petit point, j'ai toujours trois derniers petits points, je suis désolée. La remarque de tout à l'heure sur la nature et l'authenticité, je suis entièrement d'accord avec la remarque qui a été faite, je mettrais peut-être un tout petit bémol, c'est que les recherches quand même, elles montrent que les expériences en nature, elles ont quand même un super pouvoir de déconnexion, d'immersion, de recentrage, de récupération des capacités d'attention. Donc, je pense quand même que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais je laisserai quand même la nature un petit peu sur un piédestal parce qu'elle a des... Spontanément, elle nous ouvre un univers qui est très bénéfique aux expériences touristiques. Bien sûr. C'était juste parce qu'il y avait eu un échange sur le côté entre la standardisation ou l'aseptisation où tout est réglé comme une horloge et puis ce mouvement qui est une vraie remise en cause de beaucoup d'êtres humains qui a envie de voyager, mais en même temps qui sait qu'il y a une démarche responsable. Et on peut aussi voyager et découvrir d'autres cultures et pas obligatoirement en pleine nature. La question là, c'était surtout la question de la segmentation des clientèles et que les attentes sont très différentes en fonction... d'un client qui va vouloir partir tout seul en pleine nature. C'était pas un focus sur la nature, mais celui qui va vouloir partir tout seul en pleine nature et celui qui va vouloir partir en club où tout est justement organisé. Donc voilà, l'importance de la segmentation, de bien cibler des besoins qui sont radicalement différents. Et juste, quelqu'un faisait remarquer que ce besoin de réinvention, on réinvente beaucoup de choses en fait pour le voyageur qui a envie de voyager de façon alternative, qui a envie de partir justement seul en pleine nature ou autre, mais que c'est peut-être encore plus essentiel de réinventer les pratiques des acteurs du tourisme qui proposent ce tourisme qui est considéré comme un peu plus aseptisé et de masse. Donc, voilà, c'était juste, on était encore dans la dimension comment on réinvente les pratiques, comment on réenchante l'expérience client. Et en effet, l'expérience client, elle doit être réenchantée pour tous, quel que soit le client, quelle que soit la pratique touristique. Voilà, c'était juste
pour terminer. Donc voilà, c'était absolument pas une opposition entre la nature, la ville et voilà, il y avait rien de tout ça. Et après, si on veut continuer sur la partie co-création, j'avais d'autres remarques qui ont été faites sur une remarque intéressante qui est oui, l'éducation, c'est pas seulement l'éducation du voyageur, mais c'est aussi l'éducation des professionnels du tourisme, peut-être. Parce que certains sont encore assez désarmés sur le fait d'emmener leurs clients dans une espèce d'intelligence collective et de la co-création avec leurs clients et non pas forcément la démarche, les outils. Et il y avait une autre remarque que la posture, en effet, plutôt que de décider ce que veut le client ou même décider avec lui, hein, mais d'être plus dans une posture d'apprentissage, de donner à apprendre du coup à son client voyageur avec en lui permettant par exemple avec des outils techniques de mettre à disposition une plateforme de d'idéation, de co-création en tout cas qui puisse pas forcément tout réinventer son voyage mais donner des petites idées qui pourraient être réutilisées par le professionnel et qui va vraiment dans le sens là de l'individualisation du voyage. Alors, on n'est même plus sur de la personnalisation, on est vraiment sur de l'individualisation avec une plateforme contributive, donc où on met à profit, les clients voyageurs sont invités à mettre la main à la pâte sur ce qu'ils veulent en fait designer comme expérience. On se rappelle, enfin en tout cas moi, dans mon enfance, quand je voyais mes parents préparer avec la carte Michelin les vacances de l'été, les stops qu'on allait faire, quand on était autour à table dimanche midi, et on voyageait déjà en fait. Hein, donc il y a aussi cette réappropriation et dans lequel on doit essayer de laisser un pas, essayer de donner cette main tout en apportant un conseil, une expertise et une valeur ajoutée qui est la vérité, celle des experts du voyage, celle qui permet d'apporter l'expérience et l'accompagnement pour plus de sérénité. Mais effectivement, on sent bien que ce goût de préparer soi-même, ce qu'on appelle d'ailleurs dans le marketing, pour d'autres marchés, on appelle ça le self-care, c'est s'organiser tout seul. S'organiser tout seul, c'est avoir l'impression de maîtriser et de construire quelque chose. Et quand on construit, on a l'impression déjà de voyager, en fait. Alors, j'ai une question assez précise qui est, nous avons évoqué la grande diversité des attentes et des comportements des touristes, donc les planificateurs versus les improvisateurs. Quel serait votre conseil pour adresser et capter l'attention de ces deux populations très différentes? Donc, il y avait les planificateurs et les… improvisateurs. Ouais. C'est sûr que là, on est sur deux extrêmes, donc ça va être compliqué de répondre à mon avis, mais… dans du voyage en indépendant, j'ai pas vu la question, je suis désolée Carole, donc je l'ai pas… Je ne regarde pas le chat parce que comme je vous réponds, j'ai pas le temps. Oui, c'est compliqué de faire les deux. C'est quel serait votre conseil pour adresser et capter l'attention de ces deux populations très différentes? Alors, lors de l'expérience ou dans la préparation au voyage, déjà, ce n'est pas la même question. Si les outils ne seraient pas du tout les mêmes. Ça peut être une application. C'est vrai que les improvisateurs, ils peuvent bien répondre à une application sur place qui fait des propositions en fonction, qui peuvent être géolocalisées ou pas, mais aussi il y a des applications qui sortent en ce moment que je trouve assez intéressantes, qui partent des centres d'intérêt des clients, c'est-à-dire que les clients renseignent au départ le type d'expérience qu'ils recherchent dans le tourisme, et après l'application, elle va faire remonter des types d'expériences en fonction de ces renseignements pré-renseignés et de ce qu'il y a autour du touriste chemin faisant. Donc ça, je trouve que c'est des… Bon, c'est pas sorcier, mais ce qui est intéressant, c'est le paramétrage par rapport aux attentes du client, que je trouve assez intéressant. Après, le planificateur, lui, il a besoin de réassurance, hein, d'un maximum d'informations, d'un maximum d'assistance et de réassurance. C'est, je dirais, assez différent. Je ne sais pas si j'ai bien perçu la question et bien répondu, mais pour l'instant, c'est ma réponse.
Oui, le besoin de réassurance, le planificateur, finalement, c'est ce que la profession sait faire de mieux, on va dire. Hein. Alors oui, je pourrais peut-être quand même, moi je me suis interrogée, on voit de plus en plus, bon, c'est pas nouveau non plus, mais on voit quand même cette notion de bucket list et de ces gens qui vont courir le monde pour aller faire le super selfie au pied du Grand Canyon et puis le lendemain ils seront je ne sais où. On a ça, et en fait, je pense que ça va... Je me demande à quel point les gens n'ont pas maintenant intégré qu'on parlait des expériences optimales et tout ça hein, tout à l'heure. En fait, je crois que les touristes ont bien intégré qu'il faut qu'il y ait quelques moments clés dans leurs vacances, liés ou pas à un opérateur. Mais en tout cas, eux, ils ont compris ça. Que quand on est en vacances, on s'achète des souvenirs qu'on va chérir, qu'on va repartager sur les réseaux sociaux, mais en famille, avec nos proches. Et en fait, ça, je crois qu'ils l'ont bien intégré maintenant. Donc, je pense qu'il y a quand même toute une manne qui va encore se renforcer pour que les opérateurs puissent vraiment mettre en place des expériences qui sortent du commun, qui sont appétantes parce qu'elles vont vraiment faire complètement déconnecter du quotidien, offrir quelque chose d'inhabituel. On sait que la nouveauté, c'est très, très important. Moi, c'est pareil, hein, vous allez me dire, c'est pas d'aujourd'hui, mais on a beaucoup d'études sur la surprise et la nouveauté qui sont sorties ces dernières années, voilà, qui nous montrent vraiment qu'il y a un pouvoir très, très impactant de ces expériences-là. Donc moi, je pense que les agents et les acteurs touristiques ont un rôle à jouer dans la concoction de packages qui viennent vraiment répondre à ce fort besoin de déconnexion et d'aller chercher ces moments forts pendant les vacances. Oui, et puis comme l'évoquait Christophe et d'autres hein, d'ailleurs, mais c'est un sujet qui est une lapalissade, hein, c'est que c'est pas parce qu'on a fait 5-6 voyages dans sa vie et qu'on a été une fois à un endroit que on a la science infuse. Et souvent tout ça est un peu tout ça devient un amalgame lorsqu'on prépare de nouveaux voyages et puis on devient expert éphémère ou monnayable et quoi qu'il arrive. Ça fait partie du quotidien des professionnels du voyage, hein, c'est de se retrouver en concurrence inhabituelle avec des experts dominicaux, mais c'est un vrai sujet. Donc, il faut effectivement trouver le moyen de pouvoir faciliter le self-care tout en apportant peut-être d'une logique un peu figitale, hein, effectivement, c'est un mot à la mode, c'est-à-dire bien comblé entre les outils digitaux, mais en même temps une interaction humaine, experte, qui en plus assume la responsabilité, parce que faut pas oublier que ce n'est pas qu'un marché protégé, c'est un marché aussi qui contraint à des responsabilités, et d'où l'importance de connaître son activité, ce qui n'est pas obligatoirement le cas, justement de cette expertise. Qui parfois peut exister aussi, hein, mais elle est comme elle n'est pas spécialement contrôlée dans toutes ces manières d'être. Et ben voilà, après on fait vite l'amalgame entre tout. Quoi. Compliqué. C'est vrai. Alors, ouais, j'avais aussi une remarque qui a été faite sur cette ultra personnalisation ou cette individualisation. Il y a une notion de coût, hein. Armel, vous avez parlé de rentabilité et de redéfinir un business model tout à l'heure. Donc, la question, c'était comment on peut valoriser ces services. Peut-être aussi que la solution, c'est en effet la désintermédiation du voyage. Donc là, on vient vraiment toucher à la structure de la profession, d'être plus du coup sur le terrain finalement, d'une part sur le terrain et d'autre part sur l'identification des besoins clients. C'est amusant parce que bon, vous interrogez aussi le métier d'agent de voyage. J'ai envie de faire un parallèle. C'est pourquoi faire appel à un décorateur intérieur. C'est-à-dire, beaucoup de gens sont persuadés qu'ils savent faire de la déco d'intérieur. Et puis, à côté de ça, bah, vous avez des professionnels du design d'intérieur. Et il y a un moment, c'est la question de la perception
de la valeur ajoutée. Il n'y a pas toujours de la valeur ajoutée. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, en fonction de, du niveau du professionnel que vous allez prendre. Mais je crois que là, on est plus sur un défaut de perception de la valeur ajoutée des professionnels du voyage et notamment des agents de voyage par rapport à quelqu'un qui serait dans le self-care, comme l'explique Tristan. Et finalement, pour moi, le sujet, il est certes dans la montée en compétence des professionnels de la mise en vente des voyages, mais il est aussi dans leur capacité à communiquer sur leur valeur ajoutée. Alors, moi, je lis un peu les éléments du chat sur le côté. Il y a eu une intervention d'une personne qui disait « Ah oui, mais si je donne mon conseil gratuitement, eh bien, je risque de me le faire piquer par la compétence, par la concurrence, pardon. » Oui, c'est une possibilité, mais moi, je crois qu'un client qui a vraiment envie de travailler avec un agent de voyage, c'est pas les 2-3 conseils gratuits, ou en tout cas offerts, pour être exact, qui vont être donnés au début, qui feront que le client partirait en se disant bah, « c'est bon, j'ai l'information, j'ai plus besoin de passer par l'agent de voyage ». C'est justement parce qu'il y a eu ce conseil offert qu'on va avoir encore plus envie de travailler avec l'agent de voyage. Et la valorisation, elle est là, ou en tout cas, elle commence par là. Moi, je crois beaucoup au fait de donner pour recevoir. Et je pense que c'est valable dans toutes les professions, chez le designer d'intérieur comme chez l'agent de voyage. Et quelque part, il ne faut pas avoir peur de donner un peu, d'offrir un peu pour recevoir beaucoup de clientèle. Et de fait, vous attirez aussi la clientèle qui vous intéresse. Parce que les gens qui viennent faire leur shopping de conseils cadeaux, c'est pas une clientèle qui vous intéresse, à mon avis. C'est le genre de clients qui vont vous causer plein de problèmes par la suite, et c'est pas forcément ceux avec lesquels vous avez envie de traiter. C'est très inspirant. C'est vrai, parce que c'est une vraie règle du marketing qui est est-ce que et on le voit bien, d'ailleurs, certains influenceurs dans le cadre du voyage sont dans cette logique-là, de répondre à toutes les questions, d'être. Et du coup, on se dit, on va pouvoir s'appuyer sur cette démarche parce qu'on sent qu'il y a un niveau d'expertise. Et il y a 1 million de questions possibles, comme il y a 1 million de situations de voyage possibles. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, c'est une réflexion à prendre. À prendre en compte. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà, alors Armel, l'auditoire est pleinement d'accord. Hein. Donner pour recevoir, excellent. Une maxime de vie, d'accord avec toi. Le meilleur des AGV est dans sa capacité à être généreux. Voilà, give and take. D'une manière générale, toute personne qui aura de la générosité aura des retours fois 100, voire fois 1000. C'est bien connu. Mais je vois que Véro n'a pas l'air trop contente. Le jeu de la concurrence, Véro, c'est le jeu des marchés ouverts. Alors, vous voulez pas de concurrence, il faut travailler dans des pays où il y a peu de concurrence. Vous pouvez aller à Cuba, par exemple, c'est assez intéressant pour ça. En termes de business, c'est quand même très limité, mais c'est le jeu dans lequel on est dans un monde capitalistique, et il faut accepter ce marché de la concurrence. Sinon, il faut, je crois, changer de métier ou changer de posture, parce que de toute façon, à partir du moment où on offre un conseil, il est offert, quoi. Et donc tout le monde peut s'en saisir, y compris vos concurrents. Je rajoute, moi, c'est pas dans le domaine des agences de voyage, mais il y a un exemple sur lequel je travaille beaucoup avec nos étudiants à l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est le resort luxe, LUX, avec un astérix derrière. Et c'est une entreprise qui, en fait, est partie du principe que c'est un resort en bord de mer, comme il y en a des milliers, hein, avec la jolie piscine, la jolie plage, les jolis palmiers et tout le reste. Et en fait, ils ont choisi de se différencier en développant des expériences différenciantes. Sauf qu'ils ont, bien sûr, ils ont communiqué sur ces expériences. Alors, ils en ont plus de 40, ils communiquent que sur 8 ou 10. Mais si vous allez sur leur site web, il y a un menu déroulant qui s'appelle « Raison de choisir luxe », c'est quelque chose comme ça, et vous verrez des petites vidéos de 30 secondes
qui montrent, donc là, ils donnent hein, l'information, c'est-à-dire qu'on peut déjà s'inspirer de leur expérience, mais en même temps, c'est leur vitrine de communication aussi, c'est ce qui leur permet de mieux communiquer sur leur marque, sur leur façon de voir l'expérience client. Moi, je vous invite à aller voir ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils ont dévoilé certains de leurs secrets d'expérience, et je pense que ça leur a été bénéfique, au final. Alors, je vous ai mis dans le chat le lien vers leur manifeste chez Lux. Il se trouve que moi, je suis allée dans 3 Lux dans le monde pour pouvoir faire ces fameuses expériences. Alors, il y en a quelques-unes qui marchent très bien. Il y en a certaines, elles sont tellement stagées que c'est une catastrophe absolue en termes d'exécution. Et quelque part, en tant que spécialiste du design d'expérience client, je peux vous assurer qu'une expérience qui est trop stagée, c'est une catastrophe. Il vaut mieux ne pas en faire que de mal les faire. Ce qui m'a donné lieu d'ailleurs à des discussions assez intéressantes avec le resort manager sur le sujet. Mais je trouve effectivement que cette chaîne d'hôtels se distingue de ses concurrents au moins par l'effort qu'elle y met, et notamment quelque chose que je trouve très très intéressant dans ses pratiques, c'est le fait qu'elle permet à chacun de ses employés une marge de manœuvre. Et vous pouvez être aussi bien une femme de chambre, un restaurateur que le spa manager ou le resort manager, et vous avez une latitude pour pouvoir faire des cadeaux dits non prévus. Donc ça peut être offrir une glace, un café, disposer un savon spécifique dans une chambre, quelque chose dont ils savent tous que ça va, un, surprendre le client et deux, le satisfaire. Et ils ont comme ça cette marge de manœuvre, une sorte de budget qui leur permet de créer ces expériences, y compris en plus des fameuses 40 qui existent déjà et qui sont toutes les mêmes dans chacun de leurs resorts, ce qui est un petit peu dommage forcément, mais ce qui permet aussi, j'imagine, une facilité dans leur déploiement. Alors, il y avait une question aussi. Qui était un petit peu... Ah oui, vas-y, Carole, excuse-moi. C'était, est-ce que cette individuation, pure, est-ce qu'elle s'adresse à certains types de catégories socio-professionnelles uniquement ? Est-ce qu'on peut faire un lien entre les CSP et le besoin de... On sait que les CSP plus, double plus, triple plus, ils sont forcément très sensibles. Pour certaines, même, ça devient un standard. Maintenant, je pense que c'est plutôt le niveau d'effet qui est différent. C'est-à-dire, plus on va sur des CSP basses, plus la surprise, elle va être vécue comme forte, intense et inattendue. Et plus on va sur des CSP hautes qui ont des habitudes de consommation, qui ont des attentes et un niveau d'exigence parfois surréaliste, plus c'est difficile de les surprendre parce que la nouveauté devient difficile à créer, tout simplement. Mais je ne pense pas que ce soit... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Armel, d'autant plus, et là je rebondis aussi sur mes expériences dans le cadre de mon activité. On s'est rendu compte que des CSP plus qui utilisent aussi nos services, et il n'y a pas que, mais c'est ceux qui l'ont utilisé un peu plus pendant la période de la pandémie, bien, ils ne recherchent pas systématiquement d'avoir une place dans un endroit extraordinaire qui est quasiment impossible à avoir 4 mois avant. On a pu échanger ce sujet avec certains de nos co-acteurs dans le cadre du groupe de travail, mais parfois une balade en dodoche pour visiter effectivement certains viticulteurs de Bourgogne, mais une fois bien organisé, c'est un élément dépaysant qui leur sort complètement de l'ordinaire, et ils en gardent quelque chose d'assez particulier. Je repense aussi à un couple australien qui, je ne sais pas par quel biais, mais enfin était sur Chambord et qu'on a accompagné cet été. Et le fait de se retrouver à visiter les jardins de Chambord avec le responsable jardinier, puisqu'il n'y avait que lui, qu'on avait réussi à faire croiser à la sortie de leur hôtel,
Mais ils en retirent un moment extraordinaire. Alors c'était d'une simplicité déconcertante par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est des gens qui repartaient en jet privé à Dubaï après. Donc on était et on était vraiment dans la simplicité. Ils ont été mangés dans un petit bistrot l'après-midi, un casse-croûte. Mais justement, c'est ce qui les a peut-être sortis de leur ordinaire. Donc effectivement, tout ça est assez compliqué. Par contre, ça demande du temps, de la personnalisation. Donc, il est évident qu'il est plus simple de vendre un catalogue avec un Théo avec lequel on bosse depuis 15 ans et sur des collections qu'on connaît par cœur que de passer une heure et demie à identifier quel persona, quelle est leur histoire, quel est leur chemin de vie, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs cultures, quelles sont leurs habitudes sportives, pour essayer d'identifier effectivement un canevas bien particulier. C'est évident qu'entre les deux, on met pas le même temps et on n'a pas obligatoirement les mêmes moyens. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas accessible à tous, j'en suis pas certain. Alors, il est 15h42, on avance tout doucement vers la fin. Si tu me le permets, Carole, on va essayer de s'arrêter parce qu'on pourrait discuter pendant très très longtemps. Je sais que vous êtes beaucoup sollicité toutes les deux. Merci mille fois en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. On a encore près de 70 présents entre les différents canaux de diffusion. Donc je suis très impressionné, très heureux, très fier d'avoir pu porter par Carole, porter par nos invités, porter par toute l'équipe, soutenir aussi longtemps en haleine nos passionnés sur notre fabuleux sujet. Je reprépare tout doucement qu'il y a la suite. On a vu le avant et on va se préparer tout doucement à accompagner tous ensemble le pendant qui aura lieu le 2 avril à 13h. Alors n'hésitez pas à venir avec votre salade ou votre sandwich, mais voilà, ça sera la prochaine rencontre sera à 13h pour la suite de l'aventure du parcours client voyageur. Un grand merci à tous. On va pas pouvoir effectivement répondre à toutes les questions, mais je vois que ça a été passionnant et passionné pendant les échanges du chat aussi. Et je te laisse la main, Carole, pour boucler voilà ce moment vraiment vraiment très agréable et très passionnant. Bon ben merci à tous. En effet, 48 participants, on a baissé là. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ces échanges. Il y a encore quelques petites questions qu'on n'a pas pu poser, mais il y a d'autres webinaires aussi à venir. Donc, je pense que c'est des questions qui peuvent être assez transversales, donc qui peuvent être aussi posées sur d'autres webinaires. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Armelle. Est-ce que vous souhaitez, je ne sais pas, dire un petit mot, le petit mot de la fin sur cette fameuse expérience voyageur très très particulière et notamment plus précisément sur les nouvelles envies, les nouvelles motivations au voyage et ce qu'elle projette pour le voyage de demain. Ben déjà merci pour nous avoir invités parce que c'était un vrai plaisir. Moi pour moi c'est un vrai plaisir aussi d'échanger avec Armelle parce que je trouve qu'elle a des remarques vraiment très pertinentes. Et puis il y a eu des questions dans le chat qui sont super et puis une super animation bien sûr. Peut-être le mot de la fin moi sur l'expérience et ça rebouclera sur votre question sur vous parliez des CSP je ne sais combien de plus. Je pense que c'est les émotions quand même qui sont le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on arrive à faire vivre à nos clients des émotions soit qu'ils n'ont pas vécu depuis longtemps ou qu'ils ne s'attendaient pas à vivre, vous allez vraiment les emmener très loin d'eux-mêmes et vraiment vous allez construire une expérience qui peut être très très satisfaisante. C'est pour ça que les exemples que vous donniez, ils pouvaient être assez simples et en fait ça marche ça effectivement, même sur des clientèles haut de gamme. Donc il faut vraiment aller, je pense, dans le domaine de l'émotion et vraiment bien comprendre comment on arrive à surprendre nos clients parce que vivre des émotions fortes, c'est voyager aussi alors. Il y a le contexte, hein, je suis d'accord qu'il y a la distance physique, mais c'est ça aussi qu'il faut réussir à comprendre. Et le marketing expérientiel, parfois, c'est des actions très simples. C'est là où c'est un petit peu complexe à comprendre. C'est que ça peut être des actions très simples, mais qui, bien ciblées, bien orchestrées, peuvent vraiment faire mouche avec les clientèles. Voilà, merci.
Ouais, moi je suis tellement d'accord avec Isabelle. Merci beaucoup pour cette invitation et ce moment qui est une véritable bouffée d'air frais, surtout dans l'atmosphère actuelle. Je rebondirai sur l'émotion et sur la notion de plaisir. D'abord parce que on ne fait bien que ce pour lequel on a du plaisir. Et j'ai envie de dire, si vous êtes dans le design d'expérience, que ce soit en avant-vente, pendant la vente, pendant l'expérience de voyage et même après, interrogez-vous sur ce qui pourrait vous faire plaisir à vous-même et à faire pour vos clients. Interrogez-vous en tant que client ce qui vous ferait plaisir. Interrogez bien sûr vos clients et lâchez-vous, quoi. Plus vous ferez les choses à moitié et moins ça prendra. Et plus vous ferez les choses à fond, plus vous aurez de plaisir à faire ça et plus vos clients ressentiront cette intention et auront du plaisir aussi. Donc là, on est dans des périodes où on s'est tous contraints énormément, où ça a été dur. Pour certains, les situations étaient dramatiques. Et du coup, on a besoin de plaisir et on a besoin de plaisir court terme. Donc, toutes les petites attentions qui provoqueront du plaisir court terme s'additionneront et provoqueront un souvenir et un plaisir long terme. Donc, lâchez-vous sur le plaisir, c'est le moment où il faut y aller à fond. Merci, je suis vraiment ravie qu'on termine sur ces deux notions d'émotion et de plaisir, parce qu'en effet, c'est des notions clés. Et je rajouterais même le lien, les relations... qui s'imaginent dans la durée et non pas en one shot, sont certainement aussi une clé intéressante. Et notamment, c'est une belle transition vers nos deux prochains webinaires, puisque on aura donc le webinaire pendant le voyage et ensuite après le voyage, qui montre bien que le processus d'expérience voyageur, il se décline sur des étapes un peu clés de notre voyageur et d'une relation qui se construit sur le long terme. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de dire. Pour terminer ce superbe webinaire, merci beaucoup à tous. Les échanges ont été vraiment très très intéressants et j'espère que vous y avez trouvé tout ce que vous étiez venu chercher. Nous restons aussi disponibles si jamais vous avez des questions a posteriori, des échanges, des idées à partager. Voilà, tout, on est toujours très ouvert chez Respire pour partager, et contribuer et créer ensemble. Merci à tous. Merci à tous et à très 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 bientôt.